Je suis une fille. Et voilà, Majesté, je suis Edward Kynaston. Le comédien, Charlie. Ah. Je jouais Desdemone. Entendez-le, Monsieur Kynaston, c'est un triomphe. L'attraction, c'est moi. Reste à prouver. Il est trop tard. Et que je t'étouffe, et que je t'étouffe, et que je t'étouffe, voilà. Mais où sont tes lettres? Où sont tes admiratrices? Qui ne connaît pas le fameux Kynaston? Nous aimerions que vous restiez tel que vous êtes. Meurs pour moi, Desdemone. Je pense qu'il serait divertissant de voir des femmes sur scène. J'ai vu une comédienne sur scène. C'est une plaisanterie. Une femme qui joue une femme, c'est ridicule. Où est l'enjeu? Où est la prouesse? Attendez, Margaret Hughes, la Margaret Hughes qui a joué avant-hier chez Killigrew, c'était vous? C'était moi. J'ai travaillé la moitié de ma vie pour faire ce que je fais. Moi, je veux être actrice plus que tout au monde. Mais s'il faut lire... Qui était votre professeur? Dans quel cas? Mais si c'est comme ça que vous traitez les femmes, écoutez-moi bien, monsieur. Les femmes... Vous le revaudrons. Que nul homme ne puisse plus jouer une femme sur une scène anglaise. Je ne veux pas de toi. Elle a été la première. Et vous aurez été le dernier. Je ne veux pas de ce que tu es maintenant. Jouer un homme, Kynaston. La question n'est pas de jouer un homme. Je peux jouer un homme. Mais où serait l'art? Et maintenant, qui êtes-vous maintenant? Je ne sais pas. Alors, votre réponse? Je vais avoir besoin d'un pantalon. C'est ce qu'on entend à chaque fois qu'une horreur est sur le point d'être commise. Cela fait des années que les Français le font.